En astrophysique standard, les trous noirs résultent de la fin de vie de l'explosion d'étoiles très massives. Pourtant, en particulier avec le lancement du programme LHC, le grand collisionneur de Hadron, situé à Genève, CERN, la question de la possible production humaine de petits trous noirs s'est posée aiguement. Dans le cadre de la physique usuelle, bien comprise et bien testée, la réponse est claire, il est impossible de former des trous noirs auprès d'un accélérateur de particules. Pour former de tels objets, il faudrait que l'énergie de la collision dépasse l'énergie de Planck, qui est typiquement un million de milliards de fois plus grande que l'énergie de l'accélérateur LHC. Dans certaines théories spéculatives, en particulier inspiré de la théorie des cordes, il est possible que notre espace-temps comporte non pas quatre dimensions, comme on le croit habituellement, trois dimensions d'espace et une dimension de temps, mais de nombreuses dimensions supplémentaires, et si celles-ci sont suffisamment nombreuses et que leur taille est suffisamment élevée, alors l'énergie de Planck serait beaucoup plus basse, peut-être même si basse, que l'énergie du LHC la dépasserait et permettrait la création de petits trous noirs. C'est donc incontestablement une hypothèse très audacieuse. Elle méritait d'être étudiée parce qu'il s'agirait alors d'une situation exceptionnelle. Nous disposerions au cœur du plus grand détecteur jamais conçu et construit par l'esprit humain de l'objet physique le plus étonnant et, oserais-je, le plus miraculeux que l'on puisse imaginer. Alors, cette idée a suscité quelques inquiétudes, mais de tels trous noirs ne risqueraient-ils pas d'engloutir la Terre et de conduire à la fin du monde ? La réponse est claire, ce n'est pas le cas. D'un point de vue théorique, on sait qu'ils s'évaporeraient par effet Hawking, et que donc, bien au contraire d'accréter la matière terrestre, ils expulseraient de la matière en très faible quantité. Mais on le sait aussi d'un point de vue expérimental, parce que des rayons cosmiques, des particules en provenance des confins de l'univers, viennent chaque instant heurter l'atmosphère de la Terre avec des énergies plus grandes que celles du LHC. Nous ne faisons rien que la nature ne fasse déjà. Et manifestement, la Terre existe toujours. Ce qui prouve bien que si des trous noirs se formaient, ils seraient de toute façon sans aucun danger.